Comment devient-on un leader de transformation émotionnelle? Comment devient-on un vrai leader de transformation émotionnelle? Donc là, il y a un rayon de soleil qui est apparu en Estonie. Tu sais, c'est très rare qu'il y ait du soleil. Donc j'en profite, je me suis foutu devant ma baie vitrée en plein soleil. Et j'en profite du coup pour tourner cette vidéo, pour répondre à cette question. Parce que c'est une question probablement que tu te poses, que je me suis moi aussi posé par le passé. C'est est-ce que l'on est en tant que leader de transformation émotionnelle? Est-ce que l'on a ça en nous? Est-ce que c'est un don? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, qui s'acquiert avec l'expérience ou qui s'acquiert parce qu'on le travaille tout simplement? Donc selon moi, il y a beaucoup de personnes de nos jours, il y a de plus en plus de concurrents sur le marché, des personnes qui s'improvisent coach, qui s'improvisent thérapeute, etc. Et des personnes qui disent qu'elles ont des dons, des trucs où elles génèrent de l'abondance dans leur vie, etc. Ou dans la vie des autres, tu vois, c'est des canaux d'abondance, c'est des gens, ils sont là sur Terre pour apporter l'abondance. Bon. Je pense que chacun d'entre nous a d'une manière ou d'une autre une faculté d'apporter de l'abondance ou pas en fonction de comment on se sent et de ce que l'on véhicule autour de nous. Mais de là à dire que nous sommes des canaux d'abondance, je trouve ça un peu prétentieux. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Mais bref, moi ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est comment fait-on pour devenir un transformateur émotionnel, pour devenir un vrai leader de transformation émotionnelle et pas juste un mec ou une personne qui utilise le terme marketing, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ce terme-là sur Internet, qui disent qu'elles défoncent les blocages inconscients des gens, qu'elles débloquent les gens, etc. Et je trouve ça des fois un peu abusé, tu vois. Vraiment, je trouve que maintenant, on utilise ça pour tout et n'importe quoi. On utilise ce terme pour vraiment se positionner en tant que marketeur émotionnel, moi, je dirais, tu vois. En fait, on devient un transformateur émotionnel à partir du moment où on l'a fait nous-mêmes sur nous-mêmes. Et quand je te dis qu'on l'a fait nous-mêmes sur nous-mêmes, c'est tu peux le faire toi-même, tout seul. Ça va te prendre plus ou moins de temps. Ça va te demander de vivre un certain nombre d'expériences qui ne vont pas forcément être agréables jusqu'à ce que tu comprennes les choses et jusqu'à ce que tu les intègres dans ton corps. Okay? Parce que le fait de l'expérimenter dans la matière, c'est ça qui te transforme émotionnellement, qui te transforme à l'intérieur. Okay? Ce n'est pas juste du développement personnel où on va rester en surface, où on va tourner en rond, tourner en boucle au niveau des pensées, etc. Les pensées, changer tes pensées pour attirer les nouvelles choses, etc. Donc, c'est un bon point de départ. Je ne crache pas sur le développement personnel. C'est une chose qui est positive, qui nous permet de nous développer personnellement, de commencer à se développer personnellement. Maintenant, s'il y a des schémas qui sont répétitifs, qui reviennent sans cesse en boucle, alors que l'on fait un travail sur soi, c'est que bien évidemment, c'est que obligatoirement, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aller beaucoup plus en profondeur que ça, tu vois. Et ça, je pense que le développement personnel ne permet pas d'accéder en profondeur à l'origine de nos émotions et à les faire changer en se transformant à l'intérieur, en transformant, en se transformant dans notre corps, à l'intérieur de notre corps, en lui-même, tu vois. Le truc, c'est que beaucoup de personnes restent en surface. Et la preuve, la plupart des concurrents et beaucoup de gens dans le marché qui parlent de transformation émotionnelle, mais dans le fond, quand tu t'intéresses ou quand je discute avec les clients qui ont eu accès à ces coachs, à ces formateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du développement personnel en fait. C'est juste du marketing qui est utilisé pour se différencier. Mais au fond, quand tu leur demandes concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont fait des choses que l'on fait dans du développement personnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, OK, ils ont eu des résultats à un moment donné parce que forcément, eh bien, quand on fait ces efforts-là de travail sur nous, il y a des changements qui se présentent, il y a des changements matériels aussi. Ils arrivent à avoir un certain niveau de revenus, à atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à le maintenir. Ils n'arrivent pas à maintenir cette cadence-là parce qu'ils n'ont pas intégré ces changements dans leur corps. C'est uniquement dans la tête, en fait. Dans la tête, ils ont entretenu ses pensées, ses croyances, etc. C'est OK. Mais comme ils ne l'ont pas intégré dans le corps, ce n'est pas pleinement ancré. Et du coup, sur du long terme, ça foire, ça capote. À un moment donné, dès qu'on lâche prise, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et on redescend et on retombe même parfois plus bas que le point de départ d'où on est parti en fait. Donc, pour devenir un transformateur émotionnel, il ne suffit pas eh bien, de faire du développement personnel et de l'enseigner à d'autres personnes et de dire que je transforme les gens émotionnellement. Ce n'est pas le cas. Il faut aller beaucoup plus profond que ça. Il faut aller dans les blessures, aller chercher au fond, dans la merde. Il faut aller foutre la main dans la merde, ok, sous le capot, vraiment mettre la main dans le cambouis. Et bien souvent, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ce n'est pas agréable sur le moment, sur du court terme. Mais derrière, il y a des processus qui se déclenchent, des processus inconscients qui se déclenchent qu'on ne peut pas expliquer, que peu de personnes peuvent avoir accès. Et même moi-même, quand je fais certaines choses avec mes clients, que mes clients me disent qu'ils ont des résultats, qu'il y a des changements qui s'opèrent, ils ne savent même pas d'où ça provient, eh bien même moi, je ne sais pas. Je sais juste activer ces changements. Je sais juste accompagner les gens. Je ne suis pas là pour
C'est pas moi qui les transforme, ok? Moi, j'active cette transformation, mais la transformation s'opère ensuite, par la suite, de façon automatique. Et c'est beau, et c'est magnifique, et c'est bien ainsi que l'on ne puisse pas à chaque fois expliquer comment ça s'est produit. Le but, le plus important, c'est que ça se produise, en fait. Donc, comment je suis en arrivé à être un transformateur émotionnel? Ben, tout simplement parce que je l'ai fait moi-même et je me suis fait aider pour ça. Okay? Et encore une fois, ce n'est pas une obligation de se faire aider. Tu peux le faire toi-même, ça va être juste plus douloureux, ça va te prendre un peu plus de temps. Mais tu peux y arriver aussi tout seul. Okay? Tu vas devoir vivre un certain nombre d'expériences pour conscientiser et conscientiser dans le corps. L'expérience fait que tu conscientises dans le corps et tu intègres les choses dans ton corps. Mais après, tu peux avoir accès à une personne qui... Eh bien, te permettre d'activer ça beaucoup plus rapidement. C'est ce que j'ai fait moi-même, j'ai investi sur moi-même, j'ai investi de l'argent matériellement, j'ai investi de l'argent sur moi-même. J'ai eu accès à une personne avec laquelle j'ai ressenti qu'il y avait moyen que ça se produise, et ça s'est produit très facilement, très naturellement, très simplement, dans la fluidité. Il y a eu une période où j'ai été un peu fatigué, je te parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo ce que j'ai ressenti pendant ma transformation émotionnelle. Mais voilà, en fait, si tu veux être un transformateur émotionnel, je pense qu'il y a une partie où ça doit être intégré en toi. Mais d'ailleurs, si tu te diriges vers des transformateurs émotionnels, c'est que forcément tu en es un. Tu vois, moi, je me suis dirigé vers des transformateurs émotionnels parce que j'en suis un, et que du coup, en activant ça en moi, en activant ce don que j'ai en moi, eh bien forcément, je peux l'exprimer, je peux l'exploiter, je peux aider d'autres personnes à l'activer. Donc, je pense qu'il y a une partie inconsciente, il y a une partie don. On est attiré par les personnes avec qui on ressent que c'est possible de le faire. Voilà. Est-ce que je serai la bonne personne pour toi? J'en sais rien et je m'en fous, en fait. Le truc, c'est que voilà, tu as deux choix. Soit tu veux y accéder beaucoup plus rapidement dans la fluidité, dans le confort. Soit tu veux pas investir sur toi, et tu vas pouvoir y accéder, mais ça va prendre plus de temps et ça va se faire un peu plus inconfortablement. Maintenant, est-ce que toi, tu es un transformateur émotionnel? J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Il n'y a que toi qui peux le savoir au final. Il n'y a que toi qui peux le savoir au niveau de ton ressenti, etc. Mais selon moi, ne t'improvise pas transformateur émotionnel si tu veux aider d'autres personnes. Voilà. Ne t'improvise pas transformateur émotionnel si toi-même, tu ne l'as pas fait avec toi-même. Si toi, tout ce que tu as fait, c'est du développement personnel, que tu as lu des livres, tu as regardé des vidéos, etc. Ce n'est pas suffisant pour aider les autres à se transformer émotionnellement. Ce que tu vas faire, c'est juste donner de l'information, tu vas transmettre de la connaissance. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas aider les gens à ressentir dans leur corps. Pour aider les gens à ressentir dans leur corps, ressens-toi déjà dans ton corps ce que ça fait, et ressens cette transformation au fond de toi et vis-la de l'intérieur. C'est la seule et unique voie pour que tu puisses aider les autres à la vivre dans leur propre vie, à ressentir, à comprendre comment ils fonctionnent, à comprendre comment fonctionne leur ressenti dans le corps. Il n'y a que en passant par là aussi toi-même. C'est pas suffisant d'apprendre, c'est pas suffisant, il faut que tu le vives, il faut que tu en fasses l'expérience dans ton corps. Très important. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas t'improviser transformateur émotionnel. Peut-être que tu l'es, mais il faut que tu vives l'expérience. J'espère que ça t'a clarifié et j'espère que ça t'a plu. Si ce n'est pas le cas, c'est bien aussi pour moi. Moi, j'ai dit ce que j'avais envie de te dire. Si tu as aimé la vidéo, tu la likes, tu la partages. Tu regardes dans les liens de la description de la vidéo, il y a peut-être quelque chose qui va t'intéresser. Si tu veux peut-être faire un appel avec moi pour avoir un impact dans ta vie, peut-être activer ce don de transformation émotionnelle que tu as peut-être. J'en sais rien. Ça, c'est à toi de le voir. Mais en tout cas, j'ai été ravi de te faire cette vidéo et je te dis à la prochaine. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Ah, et aussi, j'aimerais rajouter, c'est toujours comme ça. Quand j'ai terminé ma vidéo, j'ai toujours des trucs qui me viennent et je me dis « Putain, ça, j'aurais dû le dire. Ça aussi, j'aurais dû le dire. » Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que aussi l'ingrédient qu'il faut pour devenir un transformateur émotionnel, pour oser être qui on est et être ce transformateur émotionnel que l'on est au fond de soi, mais il faut du courage, ok? Il faut du courage, non seulement parce qu'il faut du courage pour amorcer une transformation émotionnelle, parce que quand tu amorces le processus de transformation émotionnelle, eh bien, il y a des changements dans ta vie, il y a des changements qui surviennent, il faut être préparé à ça. Ça peut être plus ou moins rapide, en général, c'est très rapide, donc il faut être conscient de ça et il faut avoir du courage. Du courage, pourquoi? Parce qu'il faut avoir du courage à aller au fond de son corps. Okay, il faut avoir du courage pour ressentir ce que ça fait à l'intérieur de son corps, de ressentir ce que ça fait, de ressentir telle ou telle émotion, okay, pour s'en libérer. Il faut du courage pour ça. Il faut du courage, c'est vrai, mais une fois que c'est fait, c'est tellement bon après, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus fluide après dans ta life. Donc, il faut du courage pour le faire pour soi, et ensuite, il faut du courage aussi
pour l'activer chez les autres aussi. Parce qu'il faut du courage, il faut savoir, il faut oser le faire, il faut oser parler et dire les vérités qui vont faire que ça va déclencher ce processus chez les autres. Si tu es trop gentil, si tu n'oses pas dire certaines choses alors que tu sais qu'il faut les dire, si tu n'oses pas être pleinement connecté à ton intuition quand tu parles à une personne pour qu'elle se transforme émotionnellement, pour activer ce changement-là, pour exploser sa putain de carapace qui l'empêche d'être qui elle est vraiment dans sa vie et qui l'empêche de kiffer et de sortir de ces schémas de merde qui sont des schémas qui génèrent le manque en fait finalement, tu vois. Moi, c'est dans le business, donc le fait de briser ces merdes, ces schémas de merde, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça génère de l'abondance derrière, ça génère de l'abondance dans le business, mais ça peut être dans d'autres dimensions de vie. On peut utiliser le processus de transformation émotionnelle dans d'autres dimensions de vie. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut du courage pour ça. Il faut du courage pour l'amorcer sur soi-même avant aussi d'avoir du courage pour l'amorcer chez les autres. Et tu vas le ressentir dans tous les cas. Tu vas le ressentir chez les gens qui sont vraiment des vrais transformateurs émotionnels et ceux où c'est du pipeau, c'est du bidon, c'est que du marketing. Tu vas le ressentir si la personne elle est pleinement alignée avec son pouvoir, son talent et qu'elle ose l'exprimer pleinement. Et tu vas ressentir quand c'est du fake, c'est juste du marketing. Et c'est juste parce qu'ils pensent qu'il faut dire qu'on défonce les blocages et qu'on transforme les émotions pour avoir des clients. Voilà, tu vas voir la différence entre ceux qui le font vraiment, ceux qui l'affirment parce que c'est vraiment ce qu'ils font et ils savent le faire et ils déclenchent des résultats chez leurs clients et ceux qui le font parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils disent ça pour avoir des clients parce que c'est à la mode de nos jours eh bien, de démonter les blocages, de péter les blocages et de se transformer émotionnellement et de dire qu'on transforme les gens émotionnellement parce que c'est pas vrai. Il y a personne qui transforme qui que ce soit émotionnellement, c'est juste on active cette transformation chez les gens parce qu'on est nous-mêmes qui on est dans notre vérité et qu'on a fait nous-mêmes notre transformation émotionnelle et que du coup on est en mesure de guider les autres dans leur propre transformation émotionnelle parce que c'est les guider finalement, on ne peut pas ressentir à leur place ce que ça fait dans leur corps. On peut juste les guider et leur expliquer comment ça s'est passé pour nous et les guider. Et parce que nous-mêmes, on l'a ressenti, donc on peut aussi les aiguiller dans leur propre ressenti, même si chaque personne a son propre ressenti et doit ressentir véritablement, ne doit pas se laisser influencer par la personne qui active cette transformation émotionnelle. Bon, je m'égare un peu, mais voilà, je suis tellement excité de te raconter tout ça que ben voilà, je m'égare, comme d'hab'.